Allez, bienvenue à VapExpo Lyon 2023. Nous sommes toujours sur le corner des associations et nous sommes avec Ophélie sur le stand du groupe Je ne fume plus. Bonjour Ophélie. Bonjour. C'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne de la vape. Oui, c'est la toute première fois. Tu es animatrice sur le groupe Je ne fume plus. C'est ça, tout à fait. Le groupe Je ne fume plus, je vous donne leur slogan, c'est très simple. Arrêtez de fumer, oui, mais pas tout seul, pas toute seule. Et c'est, je vais dire, le cœur de métier, c'est pas un métier, mais de Je ne fume plus. C'est d'abord un groupe Facebook, c'est plus de 22 500 membres actifs, c'est plus de 50 animateurs, animatrices, tous avec des bons cursus. Par exemple, toi Ophélie, quel est ton cursus pour être aujourd'hui animatrice sur un groupe qui d'entraide à la défume? Donc les animateurs de Je ne fume plus reçoivent des formations en interne dans Je ne fume plus. Et moi, j'ai décidé d'aller un peu plus loin en commençant mon parcours patient expert addiction. Voilà, patient expert addiction. Le groupe Je ne fume plus, vous êtes fumeur. Vous êtes fumeur. Vous avez besoin d'aide. Ne me dites pas, non, moi, je peux arrêter tout seul. Non, vous avez besoin d'aide pour arrêter de fumer. J'ai eu besoin d'aide. On peut arrêter de fumer tout seul. Mais si on a de l'aide derrière, si on a des gens qui connaissent, donc patients, experts, ça veut dire des fumeurs qui ont arrêté de fumer et qui savent de quoi ils causent. Donc vous êtes fumeur, vous avez envie vraiment d'arrêter de fumer, allez déjà jeter un coup d'œil sur le groupe Je ne fume plus, c'est le plus gros groupe de défume. Hein, le mot défume, je pense que vient de ce groupe, la défume. Ça vient de Michel Reynaud, de base. C'est ça. Addictologue. Oui. Oui, c'est ça. Et il était actif sur Je ne fume plus, oui, donc oui. Travaillait et on a laissé ce mot avec nous. Voilà. Alors, vous avez des actions, vous avez des animations. On va d'abord parler du groupe lui-même. Alors, c'est joyeux. Ça reste un groupe, même si c'est grave, même si on est seul. Déjà, on est seul dans la défume. On est tout seul. Moi, je m'en souviens, quand j'ai arrêté de fumer, j'étais tout seul. Je ne fume plus, n'existait pas. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Je suis allé vers des gens qui avaient arrêté de fumer. Ça a été compliqué, mais on est seul. Mais sur le groupe Je ne fume plus, c'est joyeux. Alors, on a des rendez-vous. Les fêtés du jour. Qu'est-ce que c'est, les fêtés du jour? On propose à nos membres de s'inscrire dans un calendrier. Et tous les jours, jusqu'à 120 jours, on va leur fêter tout simplement le premier jour. Le premier jour. Le deuxième jour. J'ai tenu 3 jours, j'ai tenu une semaine. Et tout ça, c'est fêté. C'est ça. C'est fêté. Voilà, voilà. Et c'est l'équipe qui va les encourager. C'est ça. C'est ça. Alors, on a les anniversaires. Moi, ça fait un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an que j'ai arrêté de fumer. Alors, moi, personnellement, ça doit faire 12 ans. 12 ans. Alors, j'ai le droit à un petit piou-piou spécial. Faut venir sur le groupe et participer au petit jeu. On fait gagner des badges sur Je ne fume plus. Voilà. Les anniversaires, les accueils en fanfare. Ouais. On a tout un petit groupe de pom-pom girls qui viennent vous fêter la bienvenue sur le groupe. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes un peu perdu sur le groupe, on a des fichiers qui ont été créés pour se repérer sur le groupe, parce qu'on a plein de petits pôles en fait. Ça va être de l'aide sur la vape, ça va être de l'aide sur les substituts, ça va être de l'aide sur plein de choses. À côté de ça, on a aussi des petits jeux tous les jours qui sont proposés par les animateurs. On essaie de faire vivre au maximum le groupe. Les petits bonheurs, le sport, le zéro kilo de trop, le moralo, le poste de nuit, la cuisine, les photos, les chansons, le bac à sable, les travaux manuels, les jeux, les lectures. Vous allez arrêter de fumer dans le plaisir, c'est fun, entouré de gens bienveillants. Mais je rappelle quand même que le groupe Je ne fume plus n'est pas un groupe pro-vap. Non, tous les moyens possibles pour arrêter de fumer sont disponibles dans l'entraide, dans l'aide sur le groupe Je ne fume plus. La vape ne vous dit rien pour arrêter de fumer. Je dis juste dommage. Il y a d'autres solutions. Sur le groupe Je ne fume plus, on va vous aider à ce moment-là. C'est ça. La meilleure méthode au final pour arrêter de fumer, c'est celle qui nous convient à nous. Et
pour savoir, il faut essayer plusieurs, se renseigner sur ce qu'on veut faire et voilà, y aller avec nos convictions. Je vous le redis, ce sont des experts. L'année dernière, vous avez sorti Le saviez-vous ? Le sachiez-vous, voilà, un petit livre illustré qui a été coécrit par Ingrid Rotolo et Laurent Caffarel, si je me souviens bien. Jennifer aussi, qui a participé. Et voilà, donc essayez, vous allez trouver hein, ce petit livre au format PDF, il est bien sûr disponible et gratuit. Vous avez aussi des actions, principalement l'été, où vous allez à la rencontre des gens. Vous allez sur les plages, dans les collèges, dans les lycées, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On intervient auprès de tous les lieux où les gens peuvent être informés au final. On intervient aussi dans les entreprises pour aider, enfin, en fait, informer les personnes qui travaillent sur toutes les possibilités qu'ils ont. Donc, pas uniquement la vape, ça peut être des patchs, des gommes, des pastilles, des inhaleurs, des sprays. En fonction de ce qu'eux, ils veulent et ce qui les intéresse aussi. Merci Ophélie. Grâce à Je ne fume plus, vous allez jeter immédiatement votre dernier paquet de clopes et aller vous inscrire en tant que membre adhérent sur le groupe Je ne fume plus. Allez tout de suite sur le groupe Je ne fume plus, vous allez voir. Vous allez trouver toute l'aide qu'il vous faut et vous en avez besoin. Je crois qu'on a tout dit. Je ne fume plus a besoin d'aide. C'est une association. Elle a besoin de dons. Si vous souhaitez aider le groupe, vous allez trouver toutes les informations sous la vidéo ou sur le groupe Je ne fume plus. A besoin de dons, a besoin de dons financiers, a besoin de dons en liquide. Si vous êtes un fabricant de liquide, vous pouvez faire des dons à Je ne fume plus. Ils iront les distribuer lors de leurs animations sur les plages, dans les collèges, partout où il y a des fumeurs à faire défumer. Voilà, ou à faire tester ce qu'est la vape, voilà, et puis bien sûr des kits, qu'importe, pourvu que l'on puisse faire tester la vape à ceux qui ne l'ont jamais testé. Tu es d'accord Ophélie ? Totalement. Voilà, allez, merci tout le monde. Plus que jamais, la vapeur, c'est pour les majeurs. Je vous dis salut tout le monde, n'oubliez pas de respirer. Ciao.